Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à ce temps de prière que nous commençons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Recueillons-nous et invoquons le Saint-Esprit. Embrasse-moi,
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous allons réciter ces trois « Je vous salue Marie » en l'honneur de la Sainte Trinité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quatrième mystère, le couronnement d'épines. Roi de l'univers, que le sang de votre front couronné d'épines détruise en nous l'égoïsme et l'orgueil, qu'il nous fasse croître en votre amour et servir avec humilité nos frères qui sont dans le besoin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Dieu, venez à mon aide. Ô Seigneur, hâtez-vous de m'aider. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous vous supplions, Seigneur, aidez vos enfants que vous avez rachetés par votre puissance. Jésus, Rédempteur du monde, vous avez été envoyé par le Père pour rétablir la paix entre Dieu et les hommes. Votre sang est le sang de la nouvelle alliance. De votre corps broyé par la souffrance, votre sang jaillit pour la rançon de l'univers. Dans cette source, vous nous régénérez. Dans cette fontaine, vous nous purifiez. À la messe, vous renouvelez votre sacrifice. Et là, votre sang devient notre breuvage. Ô Dieu, notre Sauveur, au nom de votre amour, pardonnez l'ingratitude du monde et les profanations de votre sang. Pardonnez les injures et les blasphèmes. Vous êtes notre médiateur. Par vous, nous obtenons miséricorde. Que les hommes que vous avez rachetés par votre précieux sang, de toute race, langue, peuple et nation, vous rendent la louange, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Amen. Vous nous avez rachetés par votre sang, Seigneur. Et vous avez fait de nous un peuple de roi. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, vous avez fait de votre Fils unique le Rédempteur du monde, et vous avez voulu que son sang nous obtienne le pardon. Accordez-nous de vénérer avec tant d'amour le prix de notre rédemption et d'être si bien protégés par lui contre les maux de cette terre que nous goûtions sans fin la joie du ciel. Par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui vit et règne avec vous et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Rebonjour, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, 25 juillet, c'est le quatrième jour de notre neuvaine au précieux sang de Jésus-Christ. En Jean, chapitre 19, verset 2, nous lisons « Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. » Il s'agit, n'est-ce pas, d'une couronne d'épines qui est posée sur la tête de Jésus, bien évidemment. En ce quatrième jour de notre neuvaine, nous allons méditer le couronnement, n'est-ce pas, d'épines. La couronne d'épines a été placée sur la tête de Jésus, non avec douceur, mais plutôt avec brutalité et violence. Cette violence que nous avons déjà méditée durant la flagellation, nous voyons comment la méchanceté humaine se déchaîne sur le Christ. Et comme on l'a dit, quand on observe notre société aujourd'hui, nous voyons la même violence. Certaines personnes ont une violence, je dirais, à fleur de peau. C'est vraiment avec beaucoup de facilité qu'elles peuvent se mettre en colère, mais pas seulement une colère qui consiste à s'énerver, mais une colère, je dirais, qui consiste à devenir vraiment agressive, c'est pas, à donner des coups de poing, à taper les gens, etc. Donc c'est avec cette violence-là, nous pouvons l'imaginer, que ceux qui ont placé cette couronne d'épines sur la tête de Jésus l'ont fait, n'est-ce pas? C'est avec beaucoup de violence que cette couronne a été placée sur la tête du Christ. Plusieurs épines, cette couronne comportait plusieurs épines, et ces épines vont pénétrer la chair du Christ, notamment la chair de la tête, bien sûr, c'est-à-dire le crâne du Christ. Les recherches
montre que les épines de cette couronne avaient environ 5 cm. Oui, donc vous pouvez imaginer ce que c'est. Voilà. Recevoir comme ça 5 cm dans votre tête avec une certaine pression, nous pouvons imaginer la douleur que cela a dû produire, n'est-ce pas, et la souffrance que le Christ a dû vivre en recevant cette couronne d'épines. Donc, ces épines énormes vont déchirer, n'est-ce pas, la chair du Christ, vont déchirer son crâne et y faire jaillir du sang, n'est-ce pas. Ce sang va couler sur ses cheveux, sur sa barbe, sur ses joues, voilà. Le Seigneur sera déjà en partie défiguré par ces couronnes qui vont complètement déchiqueter, n'est-ce pas, la chair de sa tête, la chair de son crâne. Donc, mes frères, mes sœurs, méditons donc aujourd'hui, ce matin, ce couronnement d'épines. Et c'est l'occasion pour nous de prier le Seigneur afin qu'il nous guérisse, n'est-ce pas, qu'il libère ces enfants que nous sommes. Et en particulier, qu'il libère ceux-là qui actuellement nous suivent à travers notre chaîne YouTube, ceux qui nous suivent à présent et ceux qui nous suivront plus tard, puisque la vidéo restera en ligne. Nous demandons véritablement au Seigneur de guérir, de libérer, n'est-ce pas, de délivrer ses enfants en ce mois de juillet, en ce mois du précieux sang. Nous allons donc spécialement prier ce matin pour tous les maux au niveau de la tête, n'est-ce pas, au niveau de la tête. Pour ceux qui ont un peu de connaissance sur la délivrance, sur les sorts, etc., nous savons que l'un des signes que quelqu'un a des problèmes spirituels, les problèmes d'infestation, les problèmes d'envoûtement, les problèmes de possession, c'est souvent les douleurs au niveau de la tête, n'est-ce pas, et au niveau du ventre. Ces deux endroits extrêmement sensibles de notre corps, du point de vue spirituel, je veux dire, voilà, c'est-à-dire la tête et le ventre. Voilà pourquoi, souvent quand nous posons la croix sur la tête de certaines personnes, voilà, elles réagissent. C'est-à-dire parfois elles s'écroulent, parfois elles deviennent violentes, parfois elles s'écroulent la tête. Voilà, parce que c'est, la tête est un des lieux, c'est un des sièges, n'est-ce pas, des mauvais esprits, un des lieux d'infestation. Et le second lieu, ça sera le ventre. Voilà, aujourd'hui nous ne parlons pas beaucoup du ventre, nous insisterons sur la tête, mais nous reviendrons sur le ventre dans les prochains jours. Voilà aussi pourquoi, quand on pose des objets, je dirais des objets sacrés sur les têtes des individus, il y en a qui posent le Saint-Sacrement, il y en a qui posent par le Saint-Sacrement sur les têtes des personnes, voilà. Nous avons le Saint-Sacrement, nous avons le Seigneur Jésus qui est là, tout près de nous, avec nous. Voilà, c'est lui qui opère la guérison. Donc quand nous posons le Seigneur sur les têtes de certaines personnes, nous voyons aussi tout de suite des manifestations. Parce que les têtes sont assiégées, vous voyez. Qui contrôle la tête, contrôle le corps. Le Christ est la tête de l'Église. C'est lui qui dirige l'Église. La tête aussi est ce qui, n'est-ce pas, est la partie qui dirige notre corps. Donc, si la tête est infestée, si la tête est prise en otage, voilà, le reste du corps sera pris en otage. C'est aussi simple que ça, n'est-ce pas? C'est très simple à comprendre. Il n'y a rien de difficile en cela. Donc, la tête, le ventre sont les deux sièges, n'est-ce pas? Comment je vais dire? Les deux lieux vraiment appréciés, si vous voulez, par les forces du mal. Donc, comme je disais, voilà pourquoi parfois le prêtre pose simplement ses mains sur les têtes, il y a des réactions. Parce que les mains du prêtre sont les mains consacrées. Hein? Pendant l'ordination, on consacre les mains. Voilà. Ce sont les mains consacrées pour le ministère, notamment pour la célébration eucharistique, et entre autres. Donc, nous allons prier ce matin pour tous ceux qui ont des problèmes liés au niveau de la tête, de leur demander vraiment que la couronne d'épines de Jésus vienne aussi sur nos différentes têtes, n'est-ce pas? Et que cette couronne nous libère de tout ce qui entrave notre vie, tout ce qui entrave notre bien-être, etc. J'invite maintenant ceux qui me suivent, vous qui me suivez à travers, n'est-ce pas, cette vidéo, je vous invite maintenant à poser vos mains sur vos têtes. Normalement, avant de commencer de suivre la vidéo, vous faites vos onctions d'huile. Là, vous faites vos onctions d'huile au front et dans les mains. Vous faites une onction d'huile sur le front, n'est-ce pas? Et puis dans vos mains. Donc maintenant, je vous invite à poser vos mains sur vos têtes et nous allons prier. Père,
au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la très sainte Vierge Marie, notre Mère, et de Saint Michel Archange, notre défenseur, et appuyé sur mon ministère de prêtre, je te prie d'ouvrir le ciel. Je te prie de répandre maintenant, Seigneur, toi qui es là présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. Je te prie d'ouvrir ton ciel. Je te prie de donner l'ordre à tes anges, à tes archanges, de descendre en tout lieu où se trouvent tes enfants qui nous suivent à présent à travers cette vidéo. Que le ciel s'ouvre au-dessus de leur tête et que la puissance de l'Esprit Saint descende en eux et leur procure santé, leur procure guérison. Ô Seigneur, ouvre le ciel. Ouvre ton ciel, Seigneur Jésus. Laisse descendre sur tes enfants ta puissance de libération, ta puissance de bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je répands le sang du Christ sur vos têtes. Je recouvre vos têtes du sang du Christ. Je recouvre vos têtes du sang du Christ. Je répands ce sang sur vos têtes. Je répands ce sang dans vos nuques. Je répands ce sang dans vos nuques. Je commande maintenant au nom de Jésus à toute présence dans vos nuques de déguerpir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Placez la main sur vos nuques, mes frères et sœurs. Seigneur, que ton sang coule dans les nuques. Vous, esprit mauvais, qui vous logez, qui vous cachez dans les nuques. Je vous commande maintenant de libérer les nuques, de libérer les têtes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je répands ce sang sur vos cerveaux. Je libère vos cerveaux de toute maladie. Vous qui avez des tumeurs au cerveau, vous qui avez des cancers au cerveau, je recouvre cette tumeur, je recouvre ce cancer du précieux sang de Jésus-Christ. Et je commande à ce cancer de partir immédiatement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je répands ce sang dans les oreilles. Je répands ce sang dans vos oreilles. Il y en a qui entendent des bruits dans les oreilles de temps en temps, et peut-être maintenant au moment de la prière. Vous, bruit dans les oreilles, vous, esprit qui logez dans les oreilles, je vous somme de déguerpir au nom de Jésus. Libérez les oreilles immédiatement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère vos oreilles de tout tintamarre. Au nom de Jésus. Je répands ce sang dans vos yeux. Je répands ce sang dans vos yeux. Je répands ce sang dans vos yeux. Que chaque cellule de vos yeux soit recouverte de ce sang précieux. Vous, esprit qui logez dans les yeux, je vous somme de déguerpir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Jésus. Louange à toi, Jésus. Puissance à toi, Jésus. Je restaure maintenant vos dons de vision. Vous qui avez reçu le don de vision et dont le malin les avait bloqués en fermant vos yeux spirituels. Que vos yeux spirituels s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez le don de guérison. Recevez le don de vision. Que vos yeux guérissent et particulièrement vos yeux spirituels et que vous puissiez voir au nom de Jésus. Seigneur, ouvre les yeux spirituels de tes enfants.
pour qu'ils puissent voir et exercer le ministère que tu leur confies au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous qui avez des maux d'yeux, que vos yeux guérissent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je répands ce sang dans vos narines. Je répands ce sang dans vos narines. Il y en a qui vont sentir comme un courant d'air sorti des narines. C'est la manifestation de la libération de vos narines. Si vous sentez un courant d'air sorti de vos narines, laissez ce courant d'air sortir. Laissez les esprits mauvais s'en aller. Laissez votre corps se débarrasser de toute infestation. Vous, esprits mauvais dans les narines, je recouvre ces narines du sang qui a coulé de la tête de Jésus-Christ lorsqu'il a reçu sa couronne d'épines. Que ce sang vous expulse de ces narines au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je répands ce sang dans vos gorges. Je répands ce sang dans vos gorges. Il y en a qui sentent comme des chatouillements dans la gorge. Il y en a parfois qui sentent comme des substances, comme des présents dans la gorge. Elles n'arrivent pas à les faire sortir. Vous pouvez prendre un peu de sel béni également. Vous, substances, vous présents dans les gorges, je vous recouvre du sang précieux de Jésus-Christ. Et je vous somme de libérer les gorges au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous qui avez des douleurs au cou, vous pouvez placer votre main au cou. Je recouvre vos coups du sang précieux de Jésus-Christ. Que le sang du Seigneur recouvre vos coups. Et que vos coups soient libérés de toute présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que vos coups soient guéris. Que vos coups soient libérés. Au nom de Jésus. Ceux qui ont des goitres, soyez guéris au nom de Jésus. Que les goites libèrent vos coups au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y en a parfois qui ont la tête qui balance indépendamment de leur volonté. Il y en a qui ont la tête qui balance. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y en a qui ont des serpents dans leur corps. Et parfois, ces serpents viennent épouser le corps de la personne. Et parfois, ces serpents, la tête du serpent, parfois au niveau de la tête de la personne. Parfois, vous avez des personnes qui balancent la tête sans pouvoir s'arrêter et sans pouvoir contrôler. La tête se balance toute seule. Seigneur, je répands ton sang précieux maintenant sur la tête de tes enfants. Que ceux qui ont des totems, des serpents dans leur corps. Que ceux qui ont des serpents dans leur tête. Soient libérés de ces serpents au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous, totems, qui logez dans les têtes. Je vous somme de libérer les têtes au nom de Jésus. Au nom de têtes, au nom de Jésus. Vous qui avez des balancements incontrôlés de têtes, que ces balancements cessent immédiatement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ô Saint-Michel Archange, plante la couronne d'épines de Jésus dans les têtes de chacun de ses enfants qui nous suivent actuellement. Ô Saint-Michel Archange, plante ton épée dans les têtes et libère cette tête de tout point de contact entre ces enfants de Dieu et les forces du mal, et les puissances du mal, et les totems. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ô Sainte Vierge Marie, toi qui as reçu mission d'écraser le serpent, écrase tous ces esprits dans nos têtes, écrase tous ces esprits dans nos corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi Seigneur, honneur à toi Jésus, louange à toi Jésus, puissance à toi Jésus. Il y a des femmes qui ont des comme des couronnes sataniques sur leur tête. Il y a des femmes qui sont des reines dans le monde satanique, dans la mer, au fond de la mer. Il y en a qui sont des épouses des esprits des eaux, qui sont des reines des eaux et qui ont des couronnes sataniques sur leur tête. Je reprends maintenant le sang de Jésus sur toutes vos couronnes sataniques.
et je détruis cette couronne au nom de Jésus. Je révoque cette couronne de vos têtes au nom de Jésus. Vos couronnes sataniques sur les têtes, que le feu de l'Esprit Saint vous détruise au nom de Jésus. Que le sang précieux de Jésus recouvre les têtes et les libère de toute présence satanique au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux et celles qui ont des insomnies, ceux qui n'arrivent pas à dormir, ceux qui n'arrivent pas à trouver du sommeil. Vous, esprit d'insomnie, vous, esprit de blocage, je vous recouvre du sang précieux de Jésus-Christ et je vous expulse des têtes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, regarde tes enfants qui ont des migraines. Ceux et celles qui ont tout le temps des maux de tête, qui ont tout le temps des céphalées. Seigneur, répands maintenant ton sang sur cette tête. Ô Vierge Marie, pose ton pied sur cette tête. Ô Saint-Michel Archange, plante ton épée dans cette tête. Et libère ensemble cette tête de ces céphalées, de ces migraines, de cette douleur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, libérez tous ceux qui ont du mal à se concentrer. Libérez les étudiants qui ont du mal à se concentrer pour étudier. Libérez les travailleurs qui ont du mal à se concentrer pour travailler. Et dont les emplois sont en difficulté. Ô Seigneur, manifestez maintenant votre puissance dans leur vie. Libérez-les de toute infestation au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je répands ce sang dans vos bouches. Je recouvre vos langues de ce sang. Je délie les langues qui sont enchaînées. Que toutes les personnes muettes recouvrent l'élocution au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toutes les personnes sourdes recouvrent la capacité d'entendre au nom de Jésus. Que vos oreilles se s'ouvrent, que vos langues se délient au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi Jésus, honneur à toi Jésus, puissance à toi Jésus, louange à toi Jésus. Seigneur, que ce sang qui a coulé de ta tête coule maintenant de la tête de tes enfants jusqu'à leurs pieds. Que ce sang recouvre chacun celui de leur corps et que ce sang leur accorde la libération dont ils ont besoin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Jésus. Louange à toi, Jésus. Puissance à toi, Jésus. Merci, Seigneur, pour la guérison que tu nous offres. Merci pour la libération que tu nous offres. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Jésus. Louange à toi, Jésus. Puissance à toi, Jésus. Maintenant, mes frères, mes sœurs, j'invite chacun de vous à présenter au Seigneur ses intentions personnelles. Prions le Seigneur. Seigneur, je te prie d'exaucer toutes ces intentions qui t'ont été présentées. Délivre et libère chacun de tes enfants en les recouvrant de ton sang précieux. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Mes frères, mes sœurs, prenons maintenant un temps pour proclamer à Satan ce que le sang de Jésus a fait pour nous. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint-Michel Archange, je proclame
que tout voile et toute couronne satanique sont ôtés de ma tête. Je proclame que je suis libéré de l'insomnie, des maux de tête, des migraines, de toute tumeur dans ma tête. Je proclame que ma mémoire et mon intelligence sont restaurées au nom de Jésus. Je proclame que ma langue, mes yeux et mes oreilles sont restaurés au nom de Jésus. Je proclame que Jésus a été couronné d'épines afin que ma tête soit à l'abri de toute infestation démoniaque. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Litanie du précieux sang de Jésus-Christ. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste, qui est Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde, qui est Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint, qui est Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte, qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sang du Christ, Verbe de Dieu fait homme, ayez pitié de nous. Sang du Christ, Alliance nouvelle et éternelle, ayez pitié de nous. Sang du Christ qui coula au jardin des Oliviers, ayez pitié de nous. Sang du Christ qui fut versé à la flagellation, ayez pitié de nous. Sang du Christ qui jaillit au couronnement d'épines, ayez pitié de nous. Sang du Christ qui fut versé sur la croix, ayez pitié de nous. Sang du Christ rançon de notre salut, ayez pitié de nous. Sang du Christ sans lequel il n'est point de pardon, ayez pitié de nous. Sang du Christ breuvage eucharistique, ayez pitié de nous. Sang du Christ fleuve de miséricorde, ayez pitié de nous. Sang du Christ victoire sur les démons, ayez pitié de nous. Sang du Christ, force des martyrs, ayez pitié de nous. Sang du Christ, soutien des confesseurs, ayez pitié de nous. Sang du Christ, source vivifiante de pureté, ayez pitié de nous. Sang du Christ, soutien de ceux qui sont en péril, ayez pitié de nous. Sang du Christ, secours de ceux qui pleurent, ayez pitié de nous. Sang du Christ, espérance des pénitents, ayez pitié de nous. Sang du Christ, réconfort des agonisants, ayez pitié de nous. Sang du Christ, paix et joie des cœurs, ayez pitié de nous. Sang du Christ, gage de la vie future, ayez pitié de nous. Sang du Christ, délivrance des âmes du purgatoire, ayez pitié de nous. Sang du Christ, digne de toute gloire et de toute louange, ayez pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlevait le péché du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlevait le péché du monde, délivrez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlevait le péché du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. Vous nous avez rachetés, Seigneur, par votre précieux sang. Vous nous avez rendus héritiers du royaume de Dieu. Prions. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui avait envoyé votre Fils unique pour sauver le monde, et nous avait réconciliés avec vous par l'offrande de son précieux sang. Nous vous prions de nous accorder la grâce de vénérer dignement ce qui fut le prix de notre salut et d'être protégés par les mérites de ce précieux sang, des adversités de cette vie, afin que nous puissions jouir éternellement de vos bienfaits dans le ciel. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, qui nous aimez et qui nous avez libérés de nos péchés par votre sang, je vous adore, je vous bénis
et je me consacre à vous avec la plus grande confiance, avec l'aide de votre Esprit Saint et animé du souvenir de votre sang précieux, je m'engage à mettre toute mon existence sous l'obéissance et au service de votre Père pour l'avènement de votre règne. Par votre sang versé pour le rachat de nos péchés, purifiez-moi de toutes mes fautes et renouvelez mon cœur pour que brille toujours davantage en moi l'image de l'homme nouveau, créé selon la justice et la sainteté. Par votre sang, signe de réconciliation avec Dieu et entre les hommes, faites de moi un docile instrument de communion fraternelle. Par la puissance de votre sang, preuve suprême de votre charité, donnez-moi le courage de vous aimer, ainsi que mes frères, jusqu'à donner ma vie. Ô Jésus rédempteur, aidez-moi à porter ma croix de chaque jour, pour que ma petite goutte de sang, unie à la vôtre, participe à la rédemption du monde. Ô sang divin, dont la grâce vivifie le corps mystique, faites de moi une pierre vivante de votre Église. Donnez-moi la passion de l'unité entre les chrétiens. Versez en mon cœur un grand zèle pour le salut de mon prochain. Suscitez dans l'Église beaucoup de vocations missionnaires pour qu'il soit donné à tous les peuples de connaître, d'aimer et de servir le vrai Dieu. Ô sang très précieux, symbole de délivrance et de vie nouvelle, accordez-moi de persévérer dans la foi, l'espérance et la charité pour que, marqué de votre sceau, je puisse quitter l'exil de cette vie et entrer dans la terre promise du paradis et chanter avec tous les rachetés vos louanges dans l'éternité. Amen. Prions. Divin enfant, beauté incomparable, bonté infinie, toujours adorable parce que vous êtes mon sauveur. Je vous adore et je vous aime. Je vous consacre toutes les lumières de mon esprit et toutes les tendresses de mon cœur. Et je vous rends grâce de toute mon âme de vous être fait petit enfant par amour pour nous. Je vous adore dans tous les mystères de la divine enfance. Je vous prie de m'en donner l'esprit et de m'accorder la grâce de vous honorer dignement par l'imitation des vertus que vous y avez pratiquées, afin que, m'étant uni à vos saintes dispositions sur la terre, je mérite de vous voir et de vous posséder éternellement dans le ciel. Vous qui vivez et régnez avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
chers frères et sœurs en Christ, tout en vous remerciant de votre participation à ce temps de prière, je vous invite à vous abonner à nos plateformes YouTube et Facebook et d'activer la cloche de notification afin de profiter de nos prochaines vidéos. Merci également d'inviter vos connaissances, vos proches à s'y abonner également afin de profiter de nos vidéos sur le précieux sang et sur la délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Tout-Aimant vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils et lui qui est Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix, dans la joie du Christ. Excellente journée.